Allô, la gang! Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce quatrième live de Bouge Express. On est déjà à notre quatrième semaine. Ça me fait vraiment plaisir là, d'être avec vous à tous les mardis matin. Ça va juste super bien là, jusqu'à maintenant. Vous êtes très réceptifs, puis merci beaucoup là, de participer. Là, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. En attendant, là, je vous laisse un petit 30 secondes pour vous installer, puis je laisse un peu le temps aussi à d'autres d'arriver. Assurez-vous que votre tapis de sol, si vous en avez un, est prêt. Il y a une bouteille d'eau à portée de main. Puis aujourd'hui, on va travailler, entre autres, avec une chaise. Donc, je vous invite à aller chercher une chaise et de vous installer peut-être d'avoir un mur près duquel vous allez pouvoir vous entraîner aujourd'hui parce qu'on travaille en isométrie, puis on va faire la chaise au mur. Si vous n'avez pas de mur près, c'est pas grave. On va faire un squat en isométrie à la place, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je vous invite à prendre place. Oubliez pas qu'on a mis de la musique, une playlist Spotify pour vous. Donc, je vous invite à la partir. Je pars dans une quinzaine de secondes environ. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec un échauffement sur place qui va durer 3 minutes. Donc, je vais vous alterner des exercices de 30 secondes. Puis après ça, on va faire 15 exercices musculaires. On va faire 45 secondes d'exercice. 15 secondes de repos, puis on va travailler beaucoup en isométrie. Quand je dis beaucoup isométrie aujourd'hui, là, c'est qu'on maintient les exercices de manière statique. Donc, on bouge pas pendant notre mouvement. Donc, moi, je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi un petit thumbs up là ou un petit cœur là si vous êtes présent ou si vous venez d'arriver. Je les vois passer, là, les petits pouces, ça me fait bien plaisir. Donc, bon entraînement à tout le monde. On va commencer avec un 30 secondes de marche sur place. Donc, la marche, vous pouvez toujours la faire en petit jogging là, sur place aussi, si vous préférez. Donc, on s'échauffe, on commence doucement, puis on va augmenter l'intensité au fur et à mesure qu'on le fait. Donc, on garde un beau dos droit. On bascule les bras comme ça ici sur le côté pour échauffer les épaules en même temps. Encore un petit 5 secondes. Très bien, on va à son rythme et on enchaîne avec un step touch ici. On se déplace d'un bout à l'autre de notre tapis. Donc, on va échauffer un petit peu les muscles latéraux qui vont nous être utiles pour la stabilisation, entre autres. Puis remarquez que je me fais toujours aller les bras devant derrière. Toujours avoir tout le corps qui est actif. Encore 3, 2, 1 et squat. Pied large à des hanches. On descend plus ou moins bas. Inspire, descend. Expire, remonte. Je bouge encore les bras. Je pourrais les garder plus ou moins allongés ici. Donc, on est encore à l'échauffement, là. Donc, allez-y doucement pour le squat pour commencer. Je me tourne de côté pour que vous voyez bien. Je descends le poids dans les talons. 3, 2, 1. On se fait un deuxième tour comme ça. Donc, on peut marcher sur place ou on peut faire notre petit jogging sur place. Vous avez de la place dans votre maison pour y aller faire un petit tour. Il vous reste encore 15 secondes. Donc, on veut toujours garder une belle posture, bien engager la ceinture abdominale. Donc, on rentre le nombril vers l'intérieur. On engage le plancher pelvien. Encore 3, 2, 1. On enchaîne en talons-fesses. Et allez réveiller un petit peu nos ischio-jambiers. Bien échauffer les genoux aussi. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, si vous êtes en feu ce matin, puis que vous pouvez vous permettre de sauter, allez-y avec un talon-fesse en joggant. Puis vous pouvez les alterner. En faire 4 avec saut, 4 sans saut. Encore 3, 2, 1. Et on termine encore avec des squats. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, expire. On engage bien les fessiers à la remontée. Si vous voulez plus d'intensité, vous vous sentez bien, descendez peut-être un petit peu plus bas. 5 secondes, on va l'accélérer. 3,
2, 1. Très bien, super. Échauffement déjà terminé. Prenez une gorgée d'eau si vous avez besoin. Notre premier exercice, c'est la chaise au mur. Donc, vous pouvez aller au mur. Moi, je vais le faire le long de ma bibliothèque. Sinon, vous ne me verrez pas. Mes murs sont plus loin. On maintient, on a 15 exercices à faire. On les tient 45 secondes. Puis on a 15 secondes de pause entre chaque exercice. Donc, je vous le montre. On va venir s'asseoir au mur et s'accoter vers l'arrière. Venir coller les épaules sur le mur. Et les genoux sont au-dessus des chevilles. On va faire un bel angle de 90 degrés. Alternative, si vous n'avez pas de mur, pas grave, vous allez faire le squat en isométrie, OK? Donc, je le pars. Je vais commencer en squat pour rester avec vous. Puis après ça, je vais le terminer au mur. C'est parti. 45 secondes à faire. Donc, c'est sûr que quand on est en squat, on n'arrive pas autant à avoir le dos bien aligné. Donc, ce qu'on veut, c'est garder un dos droit avec une légère lordose. Notre lordose naturelle. On a 15 secondes de fait. Quand on est à côté, ici, c'est plus facile. On a un dos droit. On lève les mains dans les airs. On ne veut pas s'appuyer sur les genoux non plus. On détend les épaules. On relaxe, on respire. On rentre le nombril. Il nous reste encore un bon 10 secondes. Donc, c'est plus difficile si on vient mettre les bras mains dans les airs. Vous pourriez prendre un poids dans vos mains, ça sera encore plus dur. Encore 2, 1, et on lâche. Prochain exercice, on va venir travailler les pectoraux. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous mettez les paumes de main, une sur l'autre. C'est parti, on force. Donc, on vient aplatir nos mains ensemble. On garde les pouces près du cœur. On évite de trop s'enrouler là, vers l'avant comme ça ici. On garde les épaules vers l'arrière. On a un beau dos droit, on regarde loin devant. Vous devriez commencer à sentir que ça chauffe entre vos mains, mais aussi devant les épaules. Il nous reste encore 20 secondes. Si vous ne sentez rien, venez forcer plus fort un petit peu. Venez vraiment le peser le plus fort jusqu'au bout de vos doigts. On pousse entre les mains. Let's go la gang. Il reste encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et stop. Donc, on a travaillé les épaules. Prochain exercice, on travaille les ischio-jambiers. Vous avez une chaise, vous n'allez pas vous asseoir dessus. Mettez votre talon en dessous de la chaise et on tire le talon vers le plafond. C'est parti. Donc, si votre chaise est assez lourde, vous allez être correct comme ça ici. Donc, continuez. Il reste, on fait 20 secondes de chaque côté. Il reste 10 secondes. Moi, je vais le faire sur ma bibliothèque comme ça. Ici. Et on change de côté. On vient chercher l'autre talon. On le met sous la chaise. Ça pourrait être sous le divan aussi. Regardez, je mets mon talon sous le divan. Et je fais comme si je voulais pousser le divan vers le haut. Il nous reste encore 10 secondes. Encore un petit 5. Donc, on vient travailler derrière la cuisse, le muscle ischio-jambier. Encore 2, 1 et stop. On dégourdit un petit peu. Prochain exercice, il va être cardio. On va faire un step up juste pour se garder bien actif, là, même si notre entraînement est principalement musculaire. On se met à l'extrémité du tapis, crampons large, on joint les pieds ensemble et on pousse vers le haut. Inspire, crampons large, expire, pousse. Donc, vous pouvez sauter ou juste venir sur la pointe de pied, puis on va lever les bras dans les airs. Alternative, ça pourrait être un step touch, un peu comme ce qu'on avait fait à l'échauffement. Là, on veut que ce soit cardio, fait qu'on va accélérer un petit peu, on y va à fond. Let's go, let's go. Il nous reste encore 10 secondes. Plus vous sautez haut et plus vous allez loin sur les côtés, plus ça va être intense. 5 secondes. On accélère un petit peu. 3, 2, 1. On s'en va en planche. Donc, on fait 45 secondes de planche frontale. On va prendre 15 secondes de pause.
Puis on va enchaîner avec 20 secondes de planche latérale. Donc, c'est parti. On se met sur les avant-bras. Vous pouvez avoir les genoux au sol, si vous préférez. Vous pouvez alterner avec genoux au sol, genoux dans les airs. Donc, vous y allez de manière à être capable de bien tenir. Donc ici, on veut rentrer son ventre contre l'effet de la gravité. Si vous le sentez dans le bas du dos, mettez les genoux au sol. Reste encore 10 secondes. Ça va bien jusqu'à maintenant. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. Planche latérale, je vous montre l'alternative en attendant. C'est la sirène. Si vous avez mal aux épaules, vous avez besoin d'une pause. Vous vous mettez sur le côté, vous levez votre épaule et les pieds. Sinon, planche latérale, c'est parti. 20 secondes de chaque côté. Vous pourriez décider de lever une jambe. Ici, pas obligé de lever trop haut non plus. Ça peut être juste en continuité de votre tronc. Donc, venez porter votre talon à peu près à la hauteur de votre épaule. L'autre côté. Donc, on va se tourner le dos un petit peu. Ça va être plus rapide parce qu'on a juste 5 secondes de transition. Après ça, on va reprendre nos exercices. Moins de 10 secondes à faire. Donc, vous pouvez avoir le pied dans les airs ou pas, c'est correct. 3, 2, 1. On relâche. Deuxième tour. On reprend la chaise ou le squat en isométrie. On part en 5 secondes. Si c'était facile, prenez-vous une charge. Ça va être plus difficile. C'est parti. 45 secondes. Pour y avoir la charge dans les airs comme ça ici. Continuez votre chaise au mur. Je vais juste venir plus près de vous un petit peu. Là, je me sens loin. Donc, je suis en squat en isométrie. Ça se peut que vous soyez comme ça vous aussi. Donc, ça donne rien de descendre plus bas. Ce qu'on veut, c'est avoir à peu près les fesses à la même hauteur que les genoux. Il reste encore 15 secondes ici. Si vous êtes capable de lever les bras un petit peu plus haut dans les airs. On respire bien. Ça devrait brûler dans vos cuisses. 3, 2, 1. Ouh! On relâche. Je vais déposer ma charge, notre paume dans les mains, paume de main face à face. C'est parti. Donc, on vient forcer fort, fort, fort dans les mains. S'il y en a qui en veulent plus, vous allez écarter les pieds, puis on va faire la même chose en sumo squat. Donc, c'est juste une alternative. Donc, on va venir descendre comme ça ici. Là, on se concentre vraiment sur apporter les paumes de main. On force, on force, on force le plus possible. Il nous reste une quinzaine de secondes à faire. Pensez à garder un beau dos droit. Ça devrait brûler là devant les épaules. Poussez les doigts ensemble aussi. Encore 5 secondes, on force le plus possible. 4, 3, 2, 1. On relâche. Dégourdissez-vous un petit peu. On enchaîne avec l'ischio-jambier. Donc, l'exercice où on vient mettre le talon sous la chaise ou, moi, je le mets sous le divan. C'est parti. Donc, on dirait qu'on travaille pas. On dirait qu'on fait pas grand-chose vu de l'extérieur. Mais quand on le fait, ça vient vraiment brûler derrière la cuisse ici, notre ischio-jambier. Encore 5 secondes. Vous pourriez avoir les bras allongés devant. Ça va être plus difficile. Et on change de côté. Je vais juste enlever ma chaise. Je vais mettre de côté. Donc, le talon sous quelque chose. Si vous pouvez avoir le talon en dessous d'un objet qui est à 90 degrés à peu près, là, ça serait vraiment l'idéal. Mais ça fonctionne quand même, là, même si c'est plus bas. Encore 3, 2, 1, et on relâche, on secoue un petit peu les jambes.
On enchaîne avec notre step up, notre exercice plus cardio. Dans 2, 1, c'est parti. Ici, je vous ai mis un exercice cardio parce que sinon, c'est plus musculaire. Mais j'aime ça quand même vous faire des entraînements qui sont assez complets. Parce que vous aimez ça aussi. Donc, si on en veut plus, on accélère. On essaie d'aller aux extrémités de notre tapis. Puis, n'oubliez pas l'alternative, là. Ça pouvait être un step touch aussi. 15 secondes. On va peut-être sauter plus haut. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Notre planche. S'il y en a qui veulent ici la planche là, pour la varier, vous pouvez la faire sur les mains. Donc, c'est parti. Même si on la fait sur les mains, on peut mettre les genoux au sol au besoin. On peut faire une planche à 3 appuis. Donc, comme la semaine passée, je vous faisais lever un pied là, de temps en temps. Donc, on peut le faire aussi. Je regardais mon chrono. C'est bon, on a le temps, on a le temps. Donc, on alterne. Vous pouvez vous mettre sur les avant-bras si vous commencez à avoir mal au poignet. Il nous reste quand même un bon 10 secondes. Est-ce que ça va bien? Je vous entends pas trop chialer, c'est bon signe. 4, 3, 2, 1. On va enchaîner avec nos planches latérales. Donc, n'oubliez pas les alternatives. Quand je vous parlais de la sirène, comme ça ici, ça travaille les mêmes muscles. C'est parti. 20 secondes de chaque côté. Donc, moi, je lève le pied en plus pour venir travailler les abducteurs. Si vous avez de la difficulté avec l'équilibre, vous pourriez plutôt venir porter votre pied devant. 5 secondes. L'autre côté, je ne vais pas vous tourner le dos cette fois-ci. Je me sentais mal tantôt pendant que je le faisais le dos tourner. Donc, on fait un 20 secondes ici aussi. Il nous en reste moins de 10. Ça va tout le monde? Encore 3, 2, 1. On dépose. Tantôt, on avait repris les squats quand on avait terminé avec la planche. Maintenant, on va continuer avec d'autres exercices en isométrie toujours. On va faire le Superman. Donc, les paumes de main au sol pour commencer. On va lever les bras et lever les pieds. On va maintenir comme ça ici. Vous pourriez allonger les bras vers l'avant. Donc, on vient travailler les muscles dans le dos, mais aussi les fessiers et les ischio-jambiers. Si ça ne vous convient pas, si vous êtes correct, restez comme ça. Mais sinon, vous pourriez faire le chien d'arrêt en alternance qu'on avait travaillé ensemble les semaines précédentes. Il vous reste 10 secondes encore. Donc, vous pouvez varier les bras un petit peu. Si ça va bien, on lève un petit peu plus, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. On va venir s'asseoir. On va faire le V comme prochain exercice. Toujours en isométrie, 45 secondes. Les talons au sol. On allonge la colonne vers le plafond. On vient mettre les mains comme ceci et on descend. C'est parti. Donc, on veut se maintenir avec la ceinture abdominale. On ne devrait pas le sentir dans le bas du dos. Si vous voulez, vous pourriez alterner la levée d'un pied, puis le changer de temps en temps. Il nous reste encore 20 secondes. Encore plus difficile si on lève les deux pieds, puis même si on allonge les bras vers l'arrière. Ça, c'est vraiment difficile. Si vous avez besoin d'une petite pause, au contraire, mettez les bras devant ou sur les épaules. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, on relâche. Il nous reste deux exercices. La table inversée. Donc,
C'est en mettant les mains au sol, on vient lever et on maintient. C'est dur pour les épaules quand même de faire ça. Il faut contracter les fessiers. Si vous n'y arrivez pas, là, on l'a fait les semaines passées. Si vous êtes correct, continuez. Mais si vous n'y arrivez pas ou ça vous fait mal, faites le pont en isométrie. Donc, si les épaules ne travaillent pas, mais on vient travailler toute la chaîne postérieure. Donc, faites attention pour ne pas vous blesser. Prenez la version qui vous convient. Je regardais mon chrono. Il nous reste encore 20 secondes. On a le temps. Donc, plus difficile, là, ça serait d'allonger les jambes. Puis, on fait une ligne droite. On rentre le menton. Prends des bonnes inspirations. Il faut que je regarde mon chrono. Il nous reste 3 secondes. 2, 1. On relâche. Puis, on fait un dernier exercice. La banane, les mains vers l'arrière. Je vous le montre avant de partir le chrono. Je lève la tête en rentrant le menton et je lève un pied ou deux. C'est parti. 45 secondes, ça va être très difficile. Vous pouvez déposer un pied au sol en alternance. Donc, vous pouvez mettre 5 secondes dans les airs, 5 secondes au sol. Si vous avez mal dans le cou, déposez la tête, faites juste lever les pieds. Vous pouvez plier les genoux aussi, comme ça, ça va être un petit peu plus facile. Il nous reste encore 15 secondes. Donc, la banane, parce que ça fait une forme de banane. Les mains, la tête, les pieds sont levés. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et stop, on relâche. J'imagine que là, vous l'avez bien senti... dans les abdos, le bas du ventre. On a bien travaillé. On va s'étirer un petit peu. Je profite du fait qu'on soit sur le dos, confortablement couché sur notre tapis, pour venir étirer un petit peu les ischios jambiers qu'on a quand même bien travaillé. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a, que vous vous sentez régénéré de l'autre côté. Donc, c'est le fun là, de commencer à bouger le matin. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça, commencer ma journée avec vous. Les mardis matin, c'est dans mes journées préférées de la semaine. Très bien, on se lève. Donc, je vous rappelle là, de pas oublier de me laisser des commentaires. Me dire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez peut-être qu'on travaille la semaine prochaine. C'est le fun de le savoir un petit peu à l'avance aussi. Moi, ça me permet de me préparer. Parfait. On va se lever. On va venir étirer un petit peu les quadriceps qu'on a bien travaillé, là, entre autres, en faisant la chaise. Donc, c'est un entraînement vraiment plus musculaire que cardiovasculaire aujourd'hui. C'est normal que vous n'ayez pas sué là, nécessairement à grosses gouttes. Peut-être que vous allez bien le sentir, par exemple, derrière les cuisses. Là, on va changer de jambe au courant de la journée. Puis, même devant les épaules, là, parce qu'on a travaillé les pectoraux quand on faisait les pompes de main qui rentraient l'une dans l'autre. Okay, ça se peut que vous le sentiez. Vous ferez d'autres petits étirements. Là, ça peut toujours... vous faire du bien. On ramène, on dépose, écartez les pieds. On va venir étirer les flancs ici. On va faire des nœuds avec la tête. Donc, on regarde en haut et en bas en allongeant le bras le plus possible. L'autre côté. On fait des rotations avec la nuque. Très bien, on ramène. On va coller les pieds, je vais mettre de côté pour que vous voyez bien. Vous allez rentrer le menton, glisser les doigts le long des cuisses, des genoux, des tibias. Et on va juste se laisser tomber comme ça ici, essayer de relaxer. Je vais refaire des nœuds avec la tête. Je vais faire des mouvements de torsion du tronc pour venir étirer le bas du dos. Vous pourriez, si vous voulez, venir chercher les coudes. Et on va remonter doucement en faisant un dos rond. Donc, je vous suggère de plier légèrement les genoux. On garde le menton rentré jusqu'à la dernière seconde.
On va écarter les pieds, mettre les mains sur les cuisses. Inspire, on descend dos plat. On relâche tout. Expire, on remonte dos rond. Prenez votre temps. Les bras nous tirent vers le sol. On roule les épaules vers l'arrière. Peut-être faire des grands cercles. Et on s'applaudit. Hey, bravo, gang. Merci vraiment beaucoup de m'accompagner les mardis matins. Je trouve ça extraordinaire là, de voir autant de personnes là, qui m'accompagnent le matin. Envoyez-moi des photos aussi la semaine passée. Il y en a plusieurs qui m'en ont envoyé plus en privé. C'est correct aussi. Ça me fait vraiment plaisir de voir tout ça. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour notre 5e live. On va être là, même chose, à 8h30 mardi prochain. Donc, bonne journée, puis à très bientôt. Bye!